Deux tours du coup. Tac, tac, tac. Ça fait qu'on fait 11 000 dégâts sur Pooch, un sacri, même s'il a 50% raise, ça devrait le faire. Donc rappel, je vais là, res, maîtrise, béné, et en fait le coup de marteau, vous voyez pas, mais le coup de marteau pose l'ébène, parce qu'il tape aussi le crapaud, même si lui a un vulné, ça permet de poser l'ébène en fait. Et c'est trop bien, en fait ça va trop bien, parce que la panneau est gris, elle permet d'avoir dommage en plus sur l'arme, mais ça permet aussi d'avoir 15 dommages hauts supplémentaires pour 2 items avec un bouclier et une arme, c'est complètement gratos. Donc on arrive T3, je vous ai dit, on booste comme ça. On fait une onde. Alors sinon, moi ce que j'aime bien faire, c'est décaler le crapaud ensuite. Et faire un coup de marteau à nouveau. Faut en profiter, hein. T'as un bouclier pour le marteau, donc t'en profites. Attention, observons les dégâts des poisons. Juste poison. 2005. Je suis prêt. Oh, il va tellement souffrir. Alors maintenant, il faut donner un nom pour mes crapauds. Il n'y avait plus de musique. Celui-ci sera Crying. Et lui, Kadeko. Merci Scott, merci beaucoup pour le sub payé qui fait avancer dans le sub rush. Il est très agressif ce mec. Arrête! Arrête de taper Crying! Oh putain, ça me dégoûte. Comment faire? Comment faire? Je peux pas rappel mon Kadeko. Ça me coûterait trop. Bon, du coup. Toi, tu passes là. Je vais protéger Crying. Tac, tac. On tape, on met l'ébène. Lui peut taper peut-être en zone. Et lui, il met ses poisons. Il aurait mis 300 HP. Ah, j'ai pas sur avec 2 PA, il fallait que je bénédiction animale, c'est vrai. L'adversaire tente de se régène. C'est pitoyable. Pilori. Il a rien compris au film. Ok, je rappelle Kadeko. On évolue Crying. Béné animal. Onde aquatique. Batra. J'ai plus assez pour tandem, fait chier. On reste en mêlée en guise de provocation. Alors là, faut vous dire que les poisons faisaient facilement du moins 2000. Hein. Mais pas de coup 4, tu as tué. Ouais, t'as raison, t'as raison. Ah, il y a Kadeko dans le chat. Il arrive au point nommé. Fouet un vucac. Ouais, bah ouais. Salut Noupi. J'ai bien apprécié ce combat.
Si je devais lui mettre une note, ce serait un 7 sur 10. J'ai mal géré mes combos. Pas un crapaud, non, t'es pas un crapaud, que t'es con. Je suis un Sigma. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié, j'avais oublié. Bon, est-ce que ça 3 et 3 là ce soir? Est-ce qu'on fait du Shad? Est-ce qu'on fait une run 66? Shad ou run 66? Ah, il faut pas lire le chat dans ces cas-là. Je me pose la question à moi-même. Fuck run 66, d'accord. Salut Sab. Je vais faire du chat si on arrive à 800 subs, peut-être. Allez. Un upper. C'est moi qui suis pas prêt. Qui suis pas prêt, pardon. Ok, ça, ça me va. Hop, et on va le taper deux fois. Il soigne pas lui avec ses actions? Non, c'est qu'en tapant sur les entités alliées autour. Ok, ok, je vois. Bon, 2700 HP sur Jadelin. Jadelin, je m'expose quand même. Hein. Il joue comment? Il joue haut? Non, il joue multi. Ces mecs-là, souvent, c'est des multi-boys. The Ball avec l'effet 4, tu joues quel mode? R. Ouais, R, Ben. Ou feu. Feu mêlé, c'est très bon aussi, mais... Si le mec joue haut distance, ça peut être compliqué. Non, mais moi je joue feu mêlé en vrai. Ça passe très bien. Ok, pardon. Alors. Ok. Salut Jadelin. Jadelin est bien multi. Une 3. Il m'ennuie parce que... Dragonnet, c'est rien depuis le début. Faudrait que je le rappelle, j'en peux plus lui. Alors, tac. Pff, ah ouais, merde, il manque une case. Pff, je suis trop long. À jouer.
trop long à réfléchir, je mérite de mourir. Il fallait que je mette un autre dragonnet et que je me fasse un cœur dragon limite, mais... pas eu le temps. Bien joué, Jadelin. Faudrait que je joue un Hyper 110 aujourd'hui. Pourquoi tu peux plus t'inscrire en colis, Bankai? T'as fait de 100 colis? Non. Vous êtes chiant ce moment avec la musique. Il y a de la musique, hein, Scapy. Il va falloir que tu mettes ton casque. Ah, mais elle est très basse. Attends, je vais faire un truc. Voilà. Ça m'exaspère, cette musique. Mais y'a personne sur ce zap! Peuplez-moi le zap et peut-être que j'aurai envie de faire du chatzium. Là, je me dis, on va faire du chat, on va avoir juste 3-200 en face et 2-200 avec moi. Faites du colis ou pas, les casus? Faites quoi sur Defus si vous faites pas de colis? Salut, je dis rien. Tu fais des quêtes, toi? Non, pas des quêtes. Arrêtez de faire des quêtes. On ramasse du minerai. Mais ça sert à rien, laisse les bots faire. Non, 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 non. Il n'y a qu'un truc qui compte sur le jeu. C'est le colis. Et le leveling. Qu'est-ce que tu fais? Oh, un sadie, stop! Stop, on se concentre. Faut savoir que c'est gagné. Mais de quelle manière c'est gagné? Alors, 3, 3. Il va me faire un 6ème PM, donc on va jouer comme ça. Harcèlement. Là, on harcèle. Hein. Moi, je suis prêt à harceler à fond. 30% esprit tech. Yes! C'est bon, on valide. On valide la transaction. Ok, et ici, contrairement à d'habitude, je vais peut-être avancer ce dragonnet. Comme ça, il peut aller taper deux fois comme ça. Une fois? En Kama hypocrite. Ah, la pre-tech ne suffit pas, il faut mettre un d'origami. PE qui demande une dédicace, ça marche, PE, je m'en occupe. Oh la vache, avec son Dory, il va se mettre bien hein, sur mes invoques. Ah. Allez, 2800. Je pense jalouse là. Je pourrais pas récupérer la sustain qu'il s'impose avec son Dory et sa pre-tech de merde. Et sa régène, évidemment, ça joue haut du coup. Ah putain, ça va être un enfer. Il va falloir que j'invoque un dragonnet rouge pour debuff, c'est juste insupportable.
Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. On va faire une zone mangrove, ils sont contents. Ok, alors je peux faire ça à 10. Tac, tac, tac. Très belle régène. Hop, hop. Hop. Un bon cœur de dragon. Ok, c'est bon. Est-ce que je peux jouer feu ici? Tac, tac. Tac, 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 c'est bon, ça passe tout pile. 198, ok. Bon, malheureusement, souvent, ils jouent avec un maximum de lâcheté, ces mecs. Pourtant, Roup, ça va, on peut encore faire les trucs, hein. Début de ton stream, tu parles de la run 66. Ouais, pardon, pas de folle. Du coup, je sais pas si on fera run 66. Tu peux faire point d'exclamation run 66 pour voir un petit peu les règles. Merde. Attends, je l'ai remis. Voilà, compris. Hop. T'as appris un nouveau mot, lincelle? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Bah attendez, j'ai remis mon dra... J'avais 5 PA, j'ai remis mon dragonnet, il m'en restait que 2. Je repose. Ça me coûte 3 quand je remets l'invoque? T'as retiré les PA, c'est normal. Bah non. Ah oui, la première c'est 2, puis 3, puis 4. Ok, ça marche le man.
MDR no life. Le mec veut performer dans les jeux vidéo, quoi. Mais quel no life. Alors que moi, je joue n'importe quel stuff avec un ivoire et un scintillant et un d'origami parce qu'on m'a dit que c'était le plus fort, mais toi, t'es vraiment en no life. Bon, allez, go massif, on va refarmer sérieusement avec Loza, là. Mais regardez ce cuck, mais putain, mais... Oh la vache. Oh, c'est une catastrophe. Anneau de Gutentag. Non, en vrai, moi, j'ai rien contre l'anneau de Gutentag. Mais si tu veux, t'as un anneau qui s'appelle l'anneau l'amour, qui fait la même chose côté stat, mais qui te donne 250 vita, 700 dini. Tu te dis pas qu'il y a un... Qu'il y a peut-être un item qui est mieux que l'autre. Ougature, t'es un sali. Et pourquoi tu mets une ougature, tocard? Ah oui, alors ça c'est pour faire du ret, sauf qu'il fait péter ses bombes insta au T1. Donc en fait il profite pas de son bouclier qui fait du ret. Et côté Dofus, argenté, ivoire, émeraude, dococo, ça y va. Hein.